Et en vénitien, et puis peut-être après en disque de jockey métal argenté, ça va être super. Je fais un double déguisement, vous voyez, ce soir. Regardez, quand je vais être beau. Pour le réveillon du Nouvel An, ce soir, beaucoup ont fait le choix d'une soirée costumée. Dans ce magasin lyonnais de location de déguisement, il y avait foule cet après-midi pour les derniers essayages. Ah, Christophe ? Ah, mais je vois rien avec. Ouais, je devine. Ah, c'est le défaut du costume, je vois rien. Pour voir, ça va pas être facile. Donc, tout ce qui est disco, ça marche fort. Super-héros, hein, souvent les gens ont une soirée à thème, donc c'est super-héros, Disney, tout ce qui est bande dessinée. Et puis disco, cette année, un petit peu plus quand même de tout ce qui est année folle. Hein, Charleston, tout ça, les gens ont fait plus de soirées que d'habitude. Pour ce loueur de costumes, le Nouvel An, ça reste la bonne affaire. Donc sur un 31 normal, en général, on sort entre 1000 et 1200 costumes. Là, cette année, j'ai fait plus ou moins le compte hier, on était à 700. Donc ça va être compliqué aujourd'hui de faire le chiffre des autres années. C'est pas grave, hein, on va s'en contenter, les gens font quand même un petit peu la fête, mais j'ai l'impression qu'ils prennent plus d'accessoires que des costumes quand même. Pour une location de costumes, comptez ici entre 40 et 50 euros. Généralement, on fait nos costumes nous-mêmes, mais là, c'est un peu compliqué à faire, donc on a décidé d'investir dedans cette fois-ci.